C'est invité à la pyjama partie de ma copine ce soir. Je viens pas de l'école, mon sac il est. Ton sac, je pense que t'es vraiment en train de mentir. Y'a pas de carton d'invitation, si, Lily Rose. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es pas fait inviter ou quoi? Pas invité, Lily Rose. Si, je suis invité. Lily Rose, t'as eu une heure de colle, pourquoi? Lily Rose, t'as vraiment fait ça? Salut! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage! Quoi, je suis invitée à la pyjama partie de ma copine ce soir. T'es invitée à la pyjama partie? Oui. Donc là, salut à tous les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, là, je sais pas parce que moi, j'étais pas au courant. Je viens juste avec la caméra. Et attends, tu reviens de l'école là, mais où est ton sac? Mais non, mais là, je reviens pas de l'école. Mon sac, il est. Ton sac? Si, si, tu reviens de l'école, il est 5h. Mon sac, il est chez ma copine parce que je l'ai déjà emmené parce que ce soir, je suis. Attends, 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 t'as laissé ton sac chez ta copine? Oui. Mais où est l'invitation à la pyjama party? Dans mon sac. Dans ton sac? Oui. Bah du coup si on n'a pas d'invitation tu peux pas y aller hein. Bah tu vois j'ai son numéro. Non 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 Lily Rose, tu vas nous donner l'invitation sinon je peux pas accepter. Mais je sais pas où il est, de toute façon je vais aller. Attends, je vais aller dire à maman. Lily Rose, où est ton sac? Mais je sais pas. Il me faut ton sac sinon mais je peux pas y aller. Mais mon sac il est chez ma copine. Là les amis, ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre un like. Allez 3, 2, 1, vous mettez un like et surtout vous mettez en commentaire le mot pyjama party. Non, non, oui. Non, je peux pas t'inviter. Si. Ouais. Non, ça suffit, tu restes avec moi. Non. Parce que ça tombe, t'es en train de mentir. Oh, donc, non, Lily Rose, reviens ici. Ah, mon cartable. Attends, attends. Quoi? Attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ton cartable, qu'est-ce qu'il fait là? Je sais, rien du tout. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand on était dans l'allée là-bas? Non, 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 presque pas. Tu m'as dit que ton cartable, tu l'avais laissé chez ta copine. Mais je l'ai pas laissé chez ma copine. Attends, ça veut dire. Ça veut dire que tu l'as laissé à la maison en faisant exprès. Non, c'est pas vrai. Lily Rose. Non. Pourquoi il est là? Mais je sais pas, moi, je t'ai jamais dit qu'il était chez. Et du coup, t'as pas pris ton cartable à l'école? Bah, si. Et le carton d'invitation, il est où? Il est dans mon cartable. Dans ton cartable? Dans ce cartable? Oui. Bah, vas-y, montre-le-moi. Non, c'est pas. Attends, je pense que t'es vraiment en train de mentir. Allez, vite. Bah, si. De toute façon, on va devoir t'accompagner à la fête. Donc, pour ça, il faut que j'appelle les parents. Non. Si, si, parce que là ils ont pas le temps de les appeler donc c'est moi qui dois les appeler. Non, mais je te dirai pas, j'ai pas envie. Allez, si, si. Non. Donne-moi ce carton d'invitation ou cette invitation, n'importe quoi. Bah oui, mais moi je m'en fous, j'ai pas envie de te le montrer. Bah pourquoi? Parce que c'est pas. Peut-être parce que c'est faux, peut-être. Non, c'est vrai. Allez, vas-y, ouvre. Ouvre ton sac, on va vérifier tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors surtout, les amis, ne mentez jamais à vos parents, c'est très mal parce que je pense que Lily Rose est en train de mentir. Alors, un compas. Une compote, un strings là, je sais pas quoi. Et l'autre pochette? Non, mais l'autre pochette. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Des cahiers. Ok, que des cahiers. Y a pas de carton d'invitation. Si, un carton d'invitation, mais il est dans mon sac de sport. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es pas fait inviter ou quoi? Mais si, je me suis fait inviter. Ouais, et ton sac de sport, il est où? Il est à l'école. C'est bizarre parce que sur ton emploi du temps, t'as pas sport du tout aujourd'hui. Mais si. Ouais, ouais, comment tu pouvais être au courant alors si t'es pas noté sur ton emploi du temps? Allez, lève-toi, ça suffit, parce que là, je pense que t'es vraiment en train de nous mentir. D'ailleurs, c'est qui cette copine? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ulysse. Ulysse? Oui. Une copine qui s'appelle Ulysse? Oui. C'est pas un prénom de garçon, un peu, Ulysse? Non. T'as pas l'impression de me mentir? Non, c'est une copine qui s'appelle Ulysse. Donc là, je vais aller sur le groupe de ta classe pour demander. Ah bah d'ailleurs, attends. S'il y a d'autres parents qui ont parlé d'une soirée ce soir, pyjama. Allez, hop. Attends, donc les gens invités sont Inès, Stella, Mirabelle, Célia. Non, ok, t'es pas invité, Lily Rose. Si, je suis invitée. Lily Rose, tu voulais vraiment qu'on aille à un truc où t'es pas invité? Mais si, je te dis que je suis invitée. Ah, je sais ce qui se passe. Vas-y. Tu rages parce que t'es pas invité. Non. Du coup, t'essayes de nous faire croire que t'es invité en oubliant ton sac et tout. Mais Lily Rose, c'était. Lily Rose, c'est pas parce que tes meilleures copines y vont que tu dois pas y aller. Hein. Enfin, que tu dois y aller. Si, je suis obligée d'y aller. Pourquoi t'es pas invité? Mais si, je suis invitée. Ils m'ont donné l'enveloppe qu'aujourd'hui. Elles se sont encore disputées avec toi? Tu t'es encore disputée à l'école pendant des heures et des heures à la récréation? Si, si, je pense que tu t'es encore disputée. Non. Allez, donc là ça suffit. Il faut. Ne croyez-le pas, les amis. Ne le croyez pas déjà. Pardon, ne le croyez pas, c'est n'importe quoi ce qu'il dit, je vous le promets. Ouais, ouais. Ouais, d'ailleurs, je vais faire ça. Je vais poser. Alors là, on se retrouve tout de suite, les amis. Je vais poser un message sur le message du groupe de Lily Rose. Sur le groupe de Lily Rose. Juste pour dire que Lily Rose a fait semblant de vouloir s'inviter là-bas. Si, si, si. Non! Ouais bah comme tout le temps d'ailleurs. Je vais le faire. Donc là les amis, je vais prévenir les parents que Lily Rose a fait ça. À tout de suite. J'espère que ça va pas trop mal tourner. Allez, c'est parti. Donc là les amis, moi je suis en train de fouiller le sac de Lily. Non, fouille pas. Si, si, Lily Rose. Non, non,
Lirose, je fouille. Non. Je fouille parce que j'ai envie de savoir ce qui s'est passé avec tes copines. Même mais je dois savoir passé. Parce que je pense qu'il y a eu encore une grosse embrouille, une petite dispute ou je sais pas quoi. Attends. Finesse, regardez, attends, je peux pas montrer ce qu'il y a dans son cahier, mais Lirost, t'as eu une heure de colle. Non, c'est pas vrai. T'as eu une heure de colle, pourquoi? Vas-y, pourquoi? Se dispute avec ses copines en classe. Mais c'est pas vrai. Lirost, tu t'es disputé avec tes copines? Non. Si, si, non. C'est pour ça que t'as pas été invité d'ailleurs. Tu t'es encore une fois disputé avec tes copines en classe. Non, mais surtout, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Mais Lirost, c'est écrit dans ton cahier. Mais c'est pas vrai, c'est ma copine qui l'a écrit, voilà. Non mais ça se voit que c'est une écriture de professeur, Lirose, de ta maîtresse. Elle a une écriture de professeur. Non, Lirose, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé réellement, parce que ça me suffit pas de savoir que tu t'es disputée. Oui, bah c'est bon. Pourquoi t'as pas été invitée, alors que tu devais être invitée, et pourquoi t'as oublié ton sac, pourquoi tu t'es disputée. Mais j'ai pas oublié mon sac, regarde. Et pourquoi t'as eu un truc rouge, là, une mauvaise note de comportement. J'ai pas eu de mauvaise note. Allez, explique-moi. Je vais t'expliquer. Allez, dépêche-toi. C'est parce ma que... copine qui a commencé l'embrouille. Voilà. Non, mais je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux pas savoir qui a commencé. Je m'en fiche. Qui a commencé? Allez, ma copine. Arrête avec ça. Okay. Arrête avec ça. Je veux savoir ce qui s'est passé. Il s'est rien passé. Bah si. Si tu dis que c'est elle, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Bah en fait, on était dans la récréation et puis elle a volé mon sac. Enfin, elle a pas volé, mais elle a pris mon sac. Et elle a fait quoi? Elle a enlevé l'invitation du machin. Voilà. Ouais, mais c'est pas pour ça que t'as pas été invité. Ça veut dire que tu t'es disputé avec elle avant. Bah oui, je me suis disputé. Pourquoi? Mais je sais plus. Oui, bien sûr, tu sais plus. Donc moi, je vais être obligé de téléphoner à l'école, si j'ai bien compris. Bah vas-y, essaye. De toute façon, ils vont pas te répondre parce qu'ils nous aiment pas. Bah c'est pas qu'ils nous aiment pas, ils nous aiment bien comme tous les élèves, on s'en fiche de ça. C'est juste que toi, encore une fois, t'as fait des sottises à l'école, le directeur a dû trop se péter, etc. Bon allez, à tout de suite, moi je téléphone à l'école, comme ça je saurai exactement ce qui s'est passé. Allez, à tout de suite les amis, restez bien pour savoir ce qui se passe parce que là, c'est la cata. Donc voilà les amis, donc j'ai mis mon petit bonnet stylé, mais c'est pas ça du tout le propos de la vidéo. Je vais appeler l'école de Lirose pour savoir exactement ce qui s'est passé. Quoi? Alors là, il y a Lirose qui rage à la porte, comme à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'énerves! Non, tu ne rentres pas. Tu restes là. Le temps que j'appelle l'école, sinon elle va encore m'empêcher d'appeler l'école, celle-là. C'est pas possible. Je peux rien faire avec elle. Bon, allez. Ah bah justement, j'ai reçu un message de l'école. Lirose, j'ai pas besoin d'appeler l'école, j'ai reçu un message. Enfin, quoi? Oh, c'est quoi ce bonnet, là? J'ai reçu un message qui justifie ton heure de colle qui aura lieu mercredi. Et, bon, tu dois collège, et, tu, et pendant l'heure de colle, tu devras faire une punition, tu recopieras 100 fois. Ouais, mais on s'en fiche, là, c'est pas mon bonnet, Lirose. Bah oui, mais quand attends, même, attends, du coup, je vais lire ce qui s'est passé parce que ça intéresse les abonnés. Attends. Oh, t'es sérieuse? Quoi? T'as joué, oui, avec la nourriture à la cantine? Mais jamais je jouerai avec la nourriture. Attends, parce que je sais très bien que... A jeté de la purée par terre à la cantine? Bah, a rigolé avec la purée, ses copines? A joué avec le pain à la cantine et l'a jeté dans la cour de récréation sur n'importe ses camarades. N'importe quoi! Lirose, t'as vraiment fait ça? C'est pas vrai, je te le promets! Combien de fois je te promets sur cette chaîne? Bah, à chaque fois tu promets, mais c'est faux. Et du coup, apparemment, les mamans des copines pensent que c'est toi toute seule qui a fait ça, du coup, elles veulent plus t'inviter. Ouais, bah c'est... Bah de toute façon, vous êtes tous punis apparemment. Vous êtes toutes punies parce qu'il y a que ouais, des filles. Bah non. Bah si. Non. Vous êtes toutes punies en heure de colle mercredi. En heure de colle mercredi? Oui, et vous allez moi, devoir de toute façon, faire. J'irai pas, je m'en fiche. T'es obligé d'y aller. J'irai dehors et voilà. C'est tout, Lirose, t'es obligé d'y aller. De toute façon, moi je dis que c'est bon. Bah, j'ai envoyé un message. Moi je dis que c'est pas bon. J'ai envoyé un message à notre père, il est d'accord, notre mère aussi. Comme ça, c'est ça réglé. Ça m'étonnerait. Parce que t'as fait des grosses bêtises. Parce qu'à chaque fois, il me soutient. Du coup, t'es pas invité à la pyjama party, à la soirée pyjama. Avec tes copines, et tant mieux, parce que je veux plus que tu leur parles. De toute façon, à chaque fois que t'es avec elles, tu fais des grosses bêtises. Non. Donc ça suffit. Pour moi, non, ça mais suffit. C'est n'importe quoi, ma tasse. Bah allez, de toute façon, tu veux savoir quoi? Moi, vas-y. Je suis pas ton père, je suis pas ta mère, je suis pas tes parents. Oui, bah, si tu veux, j'aimerais prends ton pas sac. Que ce soit mon père, si tu veux, mon si mon tu frère, veux, prends bah, ton. T'es déjà mon frère, si voilà. Tu veux, prends ton sac, pars à la pyjama party. Bah oui, vas-y. Bah vas-y, prends ton sac. Allez, prends ton sac, comme ça, je veux plus le voir. Allez, Lirose, reviens ici tout de suite. Lirose, tu prends ton sac. Moi, je veux plus le voir du tout. Hop, voilà, tu laisses ça là. Voilà, comme ça, c'est réglé. Moi, j'en ai marre. Donc là, les amis, moi, ça y est, j'en ai marre. On va passer à la bulle magique. Restez bien pour voir si votre nom passe. À tout de suite. Oui. Anaël. Anaël. Anaël.
à Anaël et à Anne à L. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne l'avez pas, à liker, à commenter, à vous abonner. Bye bye.